Ouais, l'idée, moi, c'est d'avoir d'abord ce rapport humain de confiance, d'amitié. On dit toujours que c'est pas forcément la bonne idée de tout mélanger, et je le sais. Moi, la chance que j'ai, c'est que ça se passe bien, qu'on est vraiment sur le même cap tous ensemble, qu'on se comprend, qu'on veut tous écrire la même histoire. Et c'est ça qui compte, quoi. J'étais marin aux Antilles sur un catamaran qui faisait du charter touristique à la journée. Et justement, c'est là que j'ai rencontré Guirec. Lui, il venait de traverser en fait avec Monique sur sa première transatlantique. Et donc on voit Guirec nous arriver dessus. Et puis il se présente, bonjour, je m'appelle Guirec, je viens de traverser là avec ma poule. Puis moi, je croyais qu'il parlait de sa nana, tu vois. Et je me disais, le mec, il est gonflé quand même. Enfin, on se connaît pas, il parle de sa poule, je m'en fous de sa life. Il me dit, bon, bah, j'ai 60 centimes en poche, je cherche du boulot. Pendant pratiquement un an, il venait récupérer sa ration. Alors, soit à quai, quand on débarquait les clients, soit en paddle avec Monique sur le paddle, il venait récupérer sa barquette de taboulé. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Après, il est parti faire son hivernage. Et puis, quand il est revenu en France, donc c'est là que j'ai mis le pied dans l'aventure Guirec et que je n'en suis jamais partie. Alice, c'est vraiment une pièce moteur dans toutes mes aventures. On bosse ensemble depuis 2018 et elle m'a accompagné sur la fin de mon tour du monde, dans l'écriture des bouquins, sur des conférences, sur des projections de films. Elle m'a accompagné sur ma double transat à la rame et sur tout le projet Vendée Globe. C'est vraiment le couteau suisse, elle sait aussi bien gérer la com, la relation avec les partenaires, toujours dans la bonne humeur, toujours le smile, hyper agréable. Chez Calice, voilà, je peux compter sur elle. Elle fait partie pour moi d'un membre de la famille. Elle est d'ailleurs la marraine de mon fils. Et puis voilà, j'espère vivre encore des belles aventures avec elle. Ouais, Guirec, je le connais depuis un bout de temps, avant qu'il rencontre sa belle poule. T'es parti en bateau voyager en même temps que lui, ouais. On s'est croisé plusieurs fois sur le voyage. Donc je lui ai donné quelques conseils en bateau pour son voyage. Je faisais un peu son assistance et après j'étais monté avec lui plusieurs fois sur son bateau, lui donner des petits cours de voile. Lucie, grande navigatrice, qui a navigué sur les quatre coins du globe, qui a une grosse expérience en mer comme en technique. Et pour moi, c'était voilà, une évidence quand j'ai monté le projet Vendée Globe, avant même de le faire, même des années avant, on avait discuté ensemble, comme quoi si un jour ça se faisait, il fallait qu'elle soit de la partie. Je sais que je peux compter sur elle, et puis c'est un gros kiff de pouvoir bosser avec elle et de naviguer aussi. On a fait une course ensemble, c'est que, voilà, que du bonheur, quoi. D'habitude, je préparais les bateaux sur lesquels je naviguais. Quand on prépare un bateau pour quelqu'un, c'est différent, on se met la barre un peu plus haute. C'est une petite pression, ouais. Ouais, c'est une petite pression. Il faut que tout soit clé en main et qu'il puisse naviguer en toute sécurité. Après, nous, on a un vieux bateau donc, qui est quand même moins exigeant qu'un foiler. Mais on a aussi cette pression-là que si on ne finit pas, c'est pas normal, quoi. En fait, c'est vraiment ces deux personnes-là qui font vivre le projet à 100%. Alice à terre et Lucie, entre guillemets, en mer, sur le bateau. On va prendre une grosse rafale dans la gueule. C'est pas une voiture. Donc l'équipe technique de Guirec, donc il y a moi, il y a Osven et Arthur. Mais pour le coup, Osven, lui, je le connaissais pas du tout avant de lancer le projet. Et c'est Lucie qui me l'a présenté. Osven, il a une bonne expérience aussi en tant que navigant parce qu'il a fait du Figaro plus jeune. Et en préparateur aussi, il connaît bien les bateaux. Je passe mon temps un peu à me rouler par terre, on va dire, dans le bateau. Je suis un peu le plus petit aussi. Et du coup, je me balade un peu partout dans les combles. On pourrait prendre juste l'arrivée du bateau après une course.
L'un des moments les très importants va être de nettoyer le bateau, parce que c'est là qu'on va réexplorer le bateau et de fond en comble et trouver toutes tes petites failles qui pourraient s'agrandir. Alors Arthur, lui, c'est plus la partie technique, préparateur. Arthur de formation, il est moniteur de voile, lui. Donc tout ce qui était gros bateau comme ça, il connaissait pas vraiment. Mais voilà, je savais que c'était un projet qui pouvait lui plaire. Et donc voilà, quand j'ai commencé à monter ça, je l'ai vite contacté aussi. Et puis pareil, ça l'a vachement motivé. Donc lui, il est vraiment concentré surtout sur le matelotage des ficelles, les bouts à bord. Et il est très bon là-dedans. Donc la plaque carbone, elle sert au juste moment où... On a mis le bateau à l'eau en avril, début avril 2022. L'équipe s'est formée une semaine avant. Lucie, Arthur, moi je ne les connaissais pas du tout et on s'est tous retrouvés donc en Vendée chez Benjamin Dutreux pour préparer le bateau, mettre le bateau à l'eau et monter le projet. L'idée en fait depuis le départ, c'est d'être accompagné par des gens qui connaissent aussi très bien la navigation, très bien ces bateaux. Et donc moi j'ai eu la chance d'être accompagné au départ par Sébastien Andigan qui a un grand nom de la course au large. Ensuite j'ai eu Bilou qui m'a accompagné sur la Jacques Vabre avec qui ça s'est trop bien passé. Et une vraie complicité, on s'est vraiment super bien entendu. Et Bilou, grand marin, qui a fait beaucoup d'années sur les IMOCA, qui a eu même ce bateau avec lequel il avait gagné la route du Rhum, qui a fait plusieurs tours du monde. Il y a Corentin Douguet aussi, qui m'accompagne là depuis un an, et qui est là aussi cette année, qui est lui un très bon navigant, performeur, très bon météorologue aussi. Il est là en tant que coach pour m'aider à grandir, progresser. Pour faire en sorte que je rattrape toutes ces années que j'ai pas pu faire sur d'autres supports comme le Figaro. Moi je pars avec des super armes pour le Vendée. Je suis pas que là pour montrer le logo freelance.com quoi. Je suis là aussi pour le faire monter sur le podium. Non, je rigole. En tout cas peut-être des bateaux à dérive, en tout cas on va tout donner quoi. Moi je suis chaud quoi.